Abonne-toi à Keytoons et amuse-toi pendant des heures. Little Changes! Cry babies! Little Changes! Le travail acharné des abeilles. Tu vois, Grigny, la méditation, c'est très relaxant. Inspire, expire. Wow! Inspire. Oh! Little Changers, rendez-vous dans la forêt. C'est bizarre. C'est le printemps et il n'y a pas de fleurs. Non, ne nous piquez pas. On ne veut pas se faire piquer. Elle pulvérise des pesticides sur les abeilles. Nous devons les sauver. Elle me pique. Non. Les bébés, il ne faut pas attaquer les abeilles. Elles pollinisent les fleurs et grâce à elles, nous avons des fruits, des légumes, du miel. Et si elles piquent, c'est uniquement pour se protéger. Waouh, on est désolés. Laissons les abeilles tranquilles pour qu'elles puissent faire leur travail. Très bien, les bébés. Little Changes! Génial! Des fleurs! Sais-tu que les abeilles pollinisent les fleurs en transférant le pollen d'une fleur à l'autre? Grâce à cela, les plantes se reproduisent et nous avons beaucoup de nourriture. Protégeons les abeilles! Avec de petits gestes, on peut protéger la planète! Voyage à Tropical Island, première partie. Je suis tellement détendue. Un petit peu trop détendue. Et si on se baignait? Vive les vacances! On va nager? On va jouer avec les pagaies? Je vais passer toute la journée allongée à ne rien faire. Rien du tout? On pourrait jouer un peu quand même. Ouais, à ne rien faire. Waouh, j'adore ton maillot de bain. Et celui d'Ella est magnifique. On a aussi des nouveaux maillots de bain. On va se changer, Lady? Ouais. Qu'en pensez-vous, les bébés? Waouh, quel super maillot de bain. Il te va à merveille. Lulu. Il fait chaud, les bébés. Et si on prenait un bain frais? Maintenant? Non, un peu plus tard. Hein? Pourquoi elles ne veulent rien faire? Mais c'est quoi ça? Oh. Ah. C'est une invitation à une fête? Le Tropical Fest annuel? À Tropical Island? Où est-ce que c'est? Waouh! C'est une île en plein milieu de la mer. Eh bien, j'ai envie d'aller à cette fête. Les bébés, j'ai trouvé une bouteille avec une invitation à une fête. Le Tropical Fest à Tropical Island. Tropical Island? Ça n'existe pas. Si, j'ai une carte, regardez. On doit juste aller au-delà de la mer et ensuite tourner un peu à gauche. Oh, je n'ai pas envie. Bon, si elles ne veulent pas aller à la fête, je vais y aller toute seule. C'est décidé. Avec la carte, je vais trouver Tropical Island et rien ne peut m'arrêter. Oups! Absolument rien. Au revoir, Sienna. Merci beaucoup pour ta danse d'adieu. Est-ce que c'est Sydney? Bah, elle reviendra. À quoi ressemblent les bébés sur cette île? Est-ce qu'ils vivent dans les palmiers? Est-ce que c'était par ici ou par là? Oh oh. Je suis perdue. Où est-elle? Où est la carte? Oh oh oh. J'ai perdu la carte. Oh non. Oh non. Ah. Oh. Quelle belle journée! Et si on prenait une photo souvenir? Et où est Sydney? Je crois l'avoir vue avec le canoë dans l'eau. Elle est partie? Oh oh! Sydney! Sydney! Où es-tu? Sienna, est-ce la carte de Tropical Island? Sydney est toute seule en pleine mer? Et sans la carte,
Il faut qu'on aille la chercher. On revient bientôt. Ne montez pas sur les hamacs. Un petit peu plus. Encore un peu plus. J'aimerais tellement que mes amis soient là pour m'aider. C'est quoi ça? Une nageoire? Un requin? Bonjour, bonjour, je suis Sia. Waouh! Une sirène? Une sirène! Je suis Sydney. Désolée de t'avoir fait peur. Que fait un bébé seul à naviguer en pleine mer? Je veux juste aller à la fête de Tropical Island. J'ai reçu une invitation dans une bouteille. Waouh! Les biberons ont parcouru un long chemin. Suis-moi! Attends! Tu ne peux pas aller aussi vite! Je suis fatiguée. Et si on faisait une petite sieste? Il est tard. Lady, on ne peut pas dormir. Et si Sydney est en danger? Oh non! Une grosse houle arrive. On fait quoi alors? J'ai une idée. Pagayons à travers les vagues. Ouais! Wow! C'est génial! Attention à la vague géante! Dans le dernier épisode. C'est quoi ça? C'est une invitation à une fête? À Tropical Island? Je n'ai pas envie. Bon, si elles ne veulent pas aller à la fête, je vais y aller toute seule. Au revoir, Sienna. Je suis perdue. Sydney est toute seule en pleine mer? Il faut qu'on aille la chercher. Bonjour, bonjour, je suis Sia. Attention à la vague géante! Où suis-je? Voyage à Tropical Island, deuxième partie. Est-ce que ça va? Qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Quoi? Où suis-je? Qui êtes-vous? Nous sommes les Shiny Shells. Et comment es-tu arrivée ici? Je me souviens. J'ai trouvé une invitation à une fête dans une bouteille. Je le savais, Coraline. Je savais que mes messages dans les bouteilles marcheraient. Ensuite, une vague m'a fait tomber du canoë. Mais une sirène m'a aidée. Sia, la sirène. Haha. Bienvenue à Tropical Island. Je suis Mary. On va te faire visiter l'île. C'est gentil. Au fait, je m'appelle Sydney. Je suis Coraline. Et voici Sandy. Que la fête commence! Hein? Ah! Un bateau pirate! Ah! Il faut pas qu'il nous voit! Bonjour! Un perroquet qui parle! Arrêtez-vous ici, les bébés! Arrêtez! Par la barbe de Neptune! Montez à bord, cher bébé d'eau douce! Allons visiter Tropical Island. Tu vas adorer. La forêt de palmiers où nous nous abritons du soleil. Voici le volcan. Et ici, ce sont nos maisons. J'adore cette île. C'est tellement cool. Les maisons, les biberons, absolument tout. J'aimerais que mes amis soient là. Si tu veux, on peut leur envoyer d'autres bouteilles pour qu'elles viennent. Je l'adore. C'est un vrai bateau pirate. Il se conduit comme une voiture? Ha! Pas exactement. Que faisiez-vous au beau milieu de la mer? Fête, amis, île, carte, bouteille. Une île? Une fête? Bien sûr, le Tropical Fest annuel. C'est aujourd'hui. On y va.
Je vais vous conduire à votre ami. Je connais cette mer comme le fond de ma poche. Par ici, par ici. Oups. Et en arrière toute. Quack, quack. Que la fête commence. Oh non, elles ont déjà commencé. Dépêche-toi, Ella. On est en retard. Oh. 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 Les amis, vous êtes là. Je n'en crois pas mes yeux. Maintenant, la fête peut commencer. J'étais tellement inquiète pour toi. Tu as disparu. C'est juste que vous ne vouliez rien faire du tout. Mais vous m'avez tellement manqué. Tu nous as manqué, toi aussi. Oh, c'est tellement beau. Tropical Magic Tear. Waouh. Oh. Je prends le hamac. Waouh, là, c'est vraiment les vacances. Je ne vous ai pas encore présenté mes amis. Et là, Fancy, Lady, voici les Shiny Shells. Vous allez adorer l'île et vous allez halluciner. J'ai été sauvée par une vraie sirène. Une sirène? Waouh! Bonjour, je m'appelle Sia. La danse du moustique. Aujourd'hui, c'est la journée parfaite pour se reposer. J'adore ton rocher. Les bébés, pouvez-vous m'aider? C'est parti. Je ne veux pas rater ça. Ah, sirène juste pour une journée. Je ne vais pas bouger d'ici. Hein? Va-t'en, petite bestiole. Oh. Enfin. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon pied? Arrête de bouger. Oh, et maintenant c'est tout mon corps. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'a l'air super. C'est trop gros, Pixie. C'est ça, il ne manque plus qu'un petit détail. Lady est de très bonne humeur. Je ne peux pas m'arrêter. Normal, c'est super entraînant, hein? Hé, hey, ma queue. Non! Ne t'en fais pas, je suis sûre que Pixie va la rapporter. C'est une pirate. Attention à mes coquillages. Hé, hey, ce n'est pas normal que Lady bouge autant. Elle a pris trop de soleil. C'est le meilleur château du monde. Ouah! Hein? De la danse classique? Oh, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui ne va pas chez Lady? Ce n'est pas... C'est le moustique danseur. Hein? Elle va danser sur tous les styles de musique jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Je veux juste me reposer un petit peu. Il faut lui donner la potion miracle tropicale. Aide-moi à trouver les ingrédients, Sandy. Ok. J'ai des algues. À l'aide! J'ai trouvé de l'eau de coco. Oh, au secours! Il faut l'arrêter. Elle va vers les maisons. Ça y est, je te tiens. Hein? Tu as du talent. Oh, j'ai le tournis. Si on creusait un trou pour que tu ne bouges plus. Hein? N'importe quoi, mais vite. J'arrive. Dépêche-toi, je ne peux plus supporter ça. Le trou est prêt. Maintenant, il faut la mettre dedans. Mais comment? Rien ne l'arrête. Tout ce qu'elle veut, c'est danser le conga. Et voilà. Si on danse le conga, elle nous rejoindra et on la mettra dans le trou.
Lady, hey! Conga, hey! La voilà, hey! Encore de la danse? Ça marche! Plus fort! Lady, hey! Conga, hey! La voilà, hey! Lady, hey! Conga, hey! Elle arrive, hey! On la tient! Tropical Island. Heya, 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 heya. Potion miracle tropical. Arrête la danse effrénée de Lady. Lady, tu dois manger la potion. Je vais rester comme ça pour toujours. Non. On va utiliser une ancienne technique infaillible, le lancer de cuillère. Ouvre la bouche. Oh, oh, oh. Je n'y arrive pas. Bien sûr que si, concentre-toi. Il était temps. Bien joué. Ouais. Youhou. Dieu merci. Merci, vous m'avez sauvé. Maintenant, faisons la fête. Mais si je n'ai pas mon coquillage, comment la fête va commencer? Aucun signe de Pixie ni de la conque. Hein? Mon coquillage. Hein? C'est Pixie et elle est venue avec des amis. Trop cool! Vous êtes venus nous chercher? Vous m'avez manqué aussi. Tu es la meilleure, Pixie. Que la fête commence. Tropical Magic Team! Waouh, il est bien plus cool que le mien. Attention! Non, 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 non! Sauvé. Batterie rechargée à 100%. Oh. Non! Ne coupons pas les arbres. Bonjour. Aujourd'hui, on va passer une superbe journée. Oh, oh. Ah. Oh. Little Changers, rendez-vous au jardin des bébés. C'est parti. Regardez, elles sont déjà en train de se préparer pour Noël. J'ai déjà mon sapin de Noël. Je viens de le couper dans la forêt. Oh non! Vous m'aidez à le décorer, s'il vous plaît? Je dois aussi récupérer mon sapin, mais je suis sûre que Dottie peut t'aider. Ouais, bien sûr! Mais pourquoi elle coupe les arbres? Ce n'est pas une ferme d'arbres de Noël! On doit arrêter ça! Les Little Changers sont venus nous aider à décorer l'arbre. Les bébés, vous ne pouvez pas couper les arbres de n'importe quelle forêt. Pour avoir un arbre de Noël, il faut aller dans une ferme d'arbres de Noël. Si on ne peut pas aller dans ces fermes, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les décorations de Noël? Suivez-nous et vous verrez. Vous avez raison, on n'a pas besoin de couper les arbres. On peut décorer les plantes. Bien sûr. Little Changers! Sais-tu que les arbres nous donnent l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre? Protégeons notre planète et évitons de couper les arbres. Avec de petits gestes, on peut protéger la planète. Malade. Je suis sûre que tu te sentiras mieux avec ce coussin. Non, elle a juste besoin de plus de fleurs. Ce thé va la guérir en un rien de temps. Mais je vais bien. Oh, ah, oh, oh, oh. Rendez-vous au... au jardin de Dottie. Fancy va devenir dingue. Sa voiture est toute propre. Oh non!
Les produits chimiques du savon sont nocifs pour la terre. Maintenant, j'ai compris. C'est pour ça qu'Hercy est malade. Nous devons réparer les dégâts. Allez, enlevons le savon avec l'eau du tuyau. Allez! Que faites-vous ici, Little Changers? Regarde, vous détruisez l'herbe à cause du savon. Et cela rend Hercy malade. On doit enlever tout ce savon et vite. C'est vrai, on est en train de détruire l'herbe. Les bébés, il faut arranger ça. On a réussi. Little Changers. Sais-tu que les produits chimiques peuvent détruire les plantes et nuire aux animaux? Utilisons des produits naturels pour protéger notre planète. Avec de petits gestes, on peut protéger la planète. Plastique partout. Ça va être encore long? J'ai tellement faim. Tada! Le petit déjeuner est prêt. Super. Oh! Oups. Little Changers, rendez-vous chez Dottie. On est là. La fête peut commencer maintenant. On a apporté des cookies. Regarde, Granny, il y a du plastique à usage unique partout. Et des cookies. On doit leur dire que le plastique est très mauvais pour l'environnement. Ah ! Ouah, il y a plein de sacs. Ça sent les cookies. Les bébés, vous ne pouvez pas utiliser autant de plastique. Ça pollue énormément la planète. Wow, et comment on peut s'en débarrasser ? Se débarrasser du plastique, c'est très difficile. Ça prend 100 à 1000 ans pour se décomposer. Oh non! Mais on peut utiliser des assiettes à base de matériaux biodégradables. Comme du carton. Et les sacs en tissu peuvent être réutilisés. On s'en souviendra pour notre prochaine fête. Merci beaucoup, Little Changers. Prenez ces cookies. Mission accomplie! Little Changers! Sais-tu que lorsqu'on utilise beaucoup de gobelets, de contenants et de sacs en plastique, ils finissent dans l'océan et deviennent dangereux pour la vie sauvage? Protégeons les océans en utilisant moins de plastique. Avec de petits gestes, on peut protéger la planète. Célébrer la fête des ballons. Hé, celui-là s'envole. Est-ce qu'il a explosé? Hé, il s'envole. Les ballons, revenez ici. C'est ici la fête. C'est le livre. Il attire les ballons. À Storyland, quelque chose se trame et ça devient incontrôlable. Allons voir ce qui se passe. Il était une fois un bébé enchanté, très occupé par un goûter que tous les jours il fêtait. Les ballons, on doit pourchasser pour enfin résoudre ce dossier. Hein? J'ai hâte de découvrir quelle sera notre prochaine aventure. Hé, c'est pas fini. Revenez. Regarde. C'est qui? Ne partez pas. Salut, je suis Dottie. Comment tu t'appelles? Alice. Ça ne va pas? Pourquoi tu es triste? Parce que je suis toute seule pour fêter mon non-anniversaire. Y a-t-il quelque chose de pire que ça? Mon anniversaire? Ton anniv est le jour où tu es née. Ton non-anniversaire. Tous les autres jours de l'année. Et ton ami? Je ne sais pas. D'habitude, Rabbi vient toujours. Mais aujourd'hui, il n'est pas venu. Hein? Rabbi, pourquoi es-tu si en retard? Rabbi, ça suffit. Comment on va fêter mon non-anniversaire si tu fais cette tête? Ne t'en fais pas, Alice. On va faire la fête avec toi. On va même chanter joyeux anniversaire. Joyeux non-anniversaire. Je vais la chanter. On te souhaite un joyeux, joyeux non-anniversaire. C'est super de faire la fête tous les jours de l'année. Ah! Il est temps de faire la fête pour
et chante. Que veux-tu, Rabbi? Pas maintenant, on chante là. Il est temps de faire la fête. Allez, chante avec nous. Pour toujours s'amuser, sans jamais s'arrêter. Sans jamais s'arrêter. C'est super de faire la fête tous les jours de l'année. Pas tous les jours, sauf un. Qu'est-ce que je fête ce jour-là? Tu fêtes ton anniversaire. On ne peut pas manger le gâteau sans souffler et bouger avant. Souffle-les toutes, sans aucun doute. On va t'aider. Bravo! Super! Hein? Elle ne s'éteigne pas? Essayez plus fort! Oh! Mon gâteau! Oh, tout juste! Quoi encore? Je suis occupée, là. Rien n'est plus important que mon non-anniversaire. Que la fête continue. Alice, on a fait la fête toute la journée. On doit aller dormir. Vous ne pouvez pas partir. Regarde tous les cadeaux qui me restent à ouvrir. Oh mon Dieu, il y en a tellement. On n'aura pas le temps de tous les ouvrir. Et si on pétait quelque chose d'autre? Mon non-anniversaire ne finit jamais parce que je le fête tous les jours. Mais pourquoi êtes-vous si pressé? Et où est-ce que vous avez pris tout ça? Ok, ok. Combien de non-anniversaires consécutifs as-tu fêté? Je ne sais pas, je ne compte plus. Mais je sais qu'on va fêter les 100 prochains tous ensemble. 100 de plus, c'en est trop pour moi. Allez les bébés, Dottie, chante encore. Je suis à court d'idées. On doit souffler les bougies magiques. Elles ne s'éteignent jamais. Bruni, avec tes bulles, mets les tasses à thé. Les tasses à thé? Tu parles de celles là-bas? Hé, mes tasses. Allons-y, pendant qu'elle est distraite. Courez! Hé, mais où allez-vous? On ne quitte pas mon non-anniversaire comme ça. Mon gâteau! Mais Rabbi, ce sont mes affaires. Pourquoi tu ne veux pas fêter mon non-anniversaire avec moi? Tu ne comprends pas? C'est l'anniversaire de Rabbi. C'est pour ça qu'il essayait d'attirer ton attention. Oh, je me sens si mal. Je suis tellement égoïste. Bien sûr que ton anniversaire est plus important que mon non-anniversaire. Tiens, je t'offre tous mes cadeaux. Oui. Bravo. Bravo. Zoé Magic Tears. Et c'est ainsi que l'histoire d'Alice se finit. Elle a appris une leçon importante et s'est fait de très bons amis. Quelle superbe aventure. Fantasy, boum, première partie. Daisy, cette fois avec plus d'énergie. Et 1, 2, 3 et... 3 bébés explorateurs, rêver d'un monde plein de couleurs. Un grand arbre, c'est un signe, ils sont partis dans un autre monde. Et ils ont découvert un monde sous l'arc-en-ciel. Il s'est déraciné, un gros trou s'est formé. Le monde fantasy est en danger. Le bébé rose veut nous sauver avec sa planche. Mais ce n'est pas ça, épée. C'est avec son épée. Mais c'est presque pareil. Avec son épée, tente de le fermer. Mais elle disparaît et retourne dans son monde. C'est la chanson des bébésors. Tout doit être parfait. Écoutons les choristes. Rose, vert et bleu, et plein d'autres couleurs que nous allons trouver. Et peu importe où tu es, je peux te voir, tu peux me voir. Voilà notre plus grand pouvoir. Ouais! Encore, depuis le début. J'ai besoin d'une pause et j'ai soif. À la sieste. Ha! Tu ne comprends pas, c'est une chanson spéciale. Hein? Pas de pause, avant de la connaître par cœur. Je ne bouge pas d'ici. Moi non plus. Je ne peux pas le faire sans elle. Ok, ok. Dina, qu'est-ce qu'il y a? C'est presque parfait. Ça ne suffit pas pour la chanson des bébés or. Je vais avec elle. Viens, Nara.
Dina ! Où est-elle ? Elle est vraiment bizarre avec cette chanson. Pourquoi c'est si important pour elle ? Hein ? C'est quoi ça ? Par là, Nara. Oh, trop cool ! Une épée magique ! Je suis sûre que Dina va l'adorer. Ah ! Waouh ! Trop fort ! Hein ? C'est Nessie qui va s'occuper de ça. Allez, Nara. Elles vont être surprises. Retour à la répétition. Avec son épée, tente de le fermer. Mais elle disparaît et retourne dans son monde. Les bébés, les bébés, les bébés. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Une épée, comme dans la chanson. Wow. Non, impossible, non. Qu'est-ce qui se passe avec Dina? Elle agit d'une manière très étrange. Ah. Hein? À moi, à moi. À moi, ah. C'est qui ce bébé? Elle est trop, trop jolie. Tu prends l'épée de Stella. Le monde fantasy, boum. Elle dit que ça va exploser dans le monde fantasy. Est-ce un ballon? Danger, oh. La magie des mondes, ah. À l'aide. Est-ce une énigme? Ton costume est trop cool. Je l'adore. Pas de costume, hein? Stella veut des aventuriers. Les aventuriers vont sauver le monde fantasy. Je suis un vrai aventurier. Je vais te montrer. Ok. Aventurier uni, aventurier rose. Waouh, wow, trop cool. Wow. Objet, magie, monde, fantasy, boum. Ah, Tina. Hein? Elles ont pris l'épée de notre amie Stella. Oh, notre amie Stella, nous devons trouver. Sinon, ça va mal se passer. Le monde fantasy va s'effondrer. Nous devons faire quelque chose. Mais par où commencer? Il y a combien de monde? Storyland, la baie Tutti Frutti, la vallée du Bibran et le monde fantasy. Quatre magies de chaque monde ou le monde fantasy. Boum! Explosion! Je pense que les tétines spéciales de chaque monde sont la solution. Allons à la vallée du Bibran pour trouver de l'aide. Hey! Tina? Dina? Stella? Ça fait une éternité. Elles se connaissent? J'en sais rien. Stella vous manque. Ah! Il n'y a pas de temps à perdre. Les quatre tétines spéciales, on doit trouver. Ou le monde fantasy sera perdu à jamais. En avant toutes. On a besoin de la tétine dorée. Ramène-la, hein. C'est magique. Plus de tétines. Il faut trouver le reste des tétines spéciales et vite. Cours, cours. À l'aide. À l'aide. Ah. Attends. À l'aide. Ne me lâche pas. Chapitre. Regardez ce que j'ai trouvé. Une épée. Tu prends l'épée de Stella. Le monde fantasy, boum. Explosion. Je pense que les tétines spéciales de chaque monde sont la solution. Ah, allez. Non. Ah. Fantasy boom, deuxième partie. Allez. Je te tiens, Bruni. Oh non. Allez. Ah. On a besoin des autres bébés pour nous aider. L'équipe A va récupérer la tétine spéciale de la baie Tutti Frutti. Prête? L'équipe B va chercher la tétine spéciale de Storyland. On y va! On ira dans le monde fantasy pour chercher la tétine en diamant. Allez! À l'aide! Le monde fantasy est en danger. On doit faire quelque chose, vite! Maintenant, on doit trouver la tétine en diamant. On y va! Ouais, allons-y! Hé, hey, Narvi, pourquoi tu penses autant à Stella? C'est juste que... elle est si courageuse. Tu penses qu'elle pense à moi aussi? Voyons voir. Oh. Pas vraiment. Tout est mêlé dans son esprit. Elle ne pense qu'au trou, à Dina et Tina. C'est parti, les pas bébés. Pas étonnant. Le monde fantasy est sur le point de s'effondrer. Hé hey. Salut les bébés. Waouh, j'adore vos pyjamas. La tétine spéciale. C'est pour sauver le monde fantasy. Et vite,
s'il te plaît. C'est parti. Je suis sûre qu'elle est à la fabrique du goût. Sérieusement, d'où viennent vos pyjamas? Si j'étais une tétine, où serais-je? Peut-être bien par ici. Attention, Nari. Tu ferais mieux de te taire. Hé, quel magnifique pyjama! Merci. Est-ce que tu as vu la tétine spéciale? Je l'ai vue hier au lac des framboises. Mais ne t'inquiète pas, elle est en sécurité. Hé, elle est avec les jellies. Attrape-les. Hé, venez ici. Pas si vite, on a besoin de la tétine. Non, la tétine. Rends-la-moi. À moi. Plus le temps. Fantasy, boum. C'est peut-être ici. Ou là. Ici? On ne la trouvera jamais comme ça. Vite, sortons d'ici. Par ici, vite. Par ici. Mais on ne peut pas partir sans la tétine en diamant. J'ai la tétine en diamant. Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi, on n'a pas le temps. On dirait qu'il n'y a personne ici. Eh oh. On recherche la tétine spéciale. Mais vous devez crier plus fort. Nos efforts sont vains. D'un miracle, on a besoin. C'est ça que vous cherchez? C'est un miracle. Ouais. Merci, Ciné. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut rentrer. Rien à faire. Ouais, on y va. Vite. Hey, les bébés. Vous voilà. Vous l'avez? Super. Merveilleux. J'espère que j'en celle de Tutti Frutti. Et voilà. Super. On les a toutes. Fini de bavarder. Au trou. Mais c'est trop dangereux. Et si tu disparais encore? On doit lancer les tétines spéciales. Magie, monde, ensemble et fantasy, pas de boum. Allez. Ouais. Allons-y. Au portail fantasy. Stella, je... Première magie. Non. Et on fait quoi maintenant? Boum. Le monde fantasy est perdu. Malheureusement, nous n'avons plus d'issue. Ne pleure pas. Dotty, donne-moi ta tétine. Toi, super aventurier. Trop fort. Allez, Stella, tu peux le faire. Terminé? Wow. On a réussi. Tu es magique et spéciale. Bien joué, les bébés. Rose, vert et bleu. Rose, vert et bleu. Vous êtes les bébés de la chanson. C'est une vraie chanson? Ouais. La chanson parle du jour où Stella est tombée dans le trou et a sauvé le monde fantasy. J'ai écrit cette chanson pour elle. Une chanson? Pour moi? Prête? Rose, vert et bleu, et plein d'autres couleurs que nous allons trouver. Et peu importe où tu es, je peux te voir, tu peux me voir. Voilà notre plus grand pouvoir. Je l'adore. Pink Magic Tears. Tu ne rentres pas dans ton monde? Pour l'instant, je reste ici. Fantasy, pas de boum. Mais dans mon cœur, boum, boum.